Yo tout le monde les gars, c'est Azor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur GTA 5 Online les gars, au club de striptease, voilà, pour une fois. Alors si vous êtes venu sur la vidéo, c'est forcément parce que, voilà, je vais vous présenter les actualités et les informations qu'il y a sur GTA 5 Online. Donc à l'heure où je fais la vidéo, malheureusement vous aurez que le week-end, voilà, ça sera jusqu'au 30 janvier. Donc c'est le 30 janvier inclus, donc je pense, voilà, 30 janvier soir, ça doit se terminer. Donc voilà, je vais vous énumérer les informations, les réductions, les dollars GTA dollars et RP doublé. Donc premièrement, si vous ne le savez pas, il y a la comment qu'elle s'appelle? C'est la Debauchy Spectre qui nous a été ajoutée parmi les véhicules. Donc je crois qu'elle est bien, ouais, sur le site de Beniz. On va aller voir ça. On va dans le stock là de Debauchy Spectre, voilà, au prix de 600 000 $. Donc au final, voilà, c'est pas super cher. Et je crois d'ailleurs que c'est une sportive. Ça me paraît très logique que ce soit une sportive. Voilà, donc si vous savez, limite, dites-le en commentaire. Donc voilà, pour l'instant, je l'ai pas acheté. Je sais pas, peut-être je ferai une vidéo dessus, je sais pas. Donc voilà, elle a été ajoutée. Quoi d'autre? On aura également un nouveau mode rivalité qui s'appellera 1 point c'est tout. Donc on va aller voir ça ensemble, la miniature, activité. activité, putain, le mix entre activité et mode rivalité, lol. Donc c'est bien 1 point c'est tout, vous voyez, c'est juste ici, il y en a 7. Ouais, c'est 7 maps, c'est pas mal. Donc le but c'est quoi? En équipe de 2 à 4, les joueurs se battent pour voler et accumuler le plus de points au cours de la période donnée. Chaque joueur commence avec un point sur la forme d'un sac d'argent. Une fois tué, le sac tombe et peut être récupéré par quiconque qui l'attend en premier. L'équipe qui tient le plus de sacs à la fin du temps imparti gagne. 7 maps différentes sont à votre disposition. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Ça a l'air d'être un mode intéressant, jamais test, mais ça a l'air cool. Donc s'il faut savoir les gars également, donc comme j'ai pu le dire, il y a les dollars et RP doublés sur ce mode, mais également les dollars et RP doublés dans les contrats de QG. Donc voilà, les contrats de QG, ce que je me rappelle bien, voilà, c'est les trucs de motard. Vous avez des genres de missions, je pense, voilà, je crois que c'est ça, les petites missions que vous avez accrochées au mur qu'il faut choisir. Vous avez également GTA et RP doublé dans les missions de véhicules spéciaux. Donc ça sera dans votre bureau, vous allez avoir des véhicules à aller chercher et à ramener dans votre entrepôt. Et avec un certain quota de véhicules ramenés, vous débloquerez donc les missions pour les véhicules. C'est par exemple la Ruiner 2000, vous savez, les véhicules comme ça, le buggy ramp. C'est ces missions là qui auront donc le dollar et RP doublé. Vous avez 25% également de réduction sur les transformations de chez Beniz Original Motorworks. Donc ça, voilà, c'est des transformations qui en général coûtent assez cher. Du coup, ça reste quand même très avantageux, moins 25%. Également, moins 25% pour rénover les garages de fonction, pour rénover l'atelier de customisation. 25% également sur les lieux de production et également sur tous les tatouages issus de la mise à jour import-export. Donc voilà, si vraiment vous aimez les tatouages et que vous n'êtes pas encore tatoué, ben foncez les gars, moins 25% pour la mise à jour import-export. La dernière chose à citer, c'est que la course casse-cou premium disponible, ça sera 1 chiliard de relevé. Les vainqueurs, comme d'habitude, remporteront 100 000 $, les deuxièmes 30 000 et les troisièmes, ils perdront rien en gros, voilà. Parce que en gros, en gagnant 20 000 $, ça remboursera les frais d'inscription comme d'habitude. Et il y a donc bien évidemment encore le triple RP. Donc voilà les gars, c'est tout pour ces informations. Je répète que ça se terminera le 30 janvier. Donc foncez les gars, vous avez plus qu'un week-end pour profiter si jamais vous n'avez pas pu vous connecter, si vous ne saviez pas tout ce qu'ils avaient rajouté, etc. Donc voilà, je vous retrouverai prochainement les gars sur une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, je vous dis à plus les gens. Ciao ciao.